Pour être conscient de cette chance-là. On vit deux trucs aujourd'hui. La synchronicité, il y a des gens qui donnent en même temps dans des villes différentes et qui c'est tellement important. Et plus tôt, il y avait une mère de famille, Mathilde, je crois, qu'elle parlait qu'il y avait plein d'événements qui se passaient et que c'était des dominos. Mais cette synchronicité qui se produit, l'effet papillon, quelqu'un, aujourd'hui, un enfant, un petit garçon, une petite fille, qui regarde le Téléthon aujourd'hui, va peut-être devenir le chercheur de demain. Absolument. Et ce que vous faites aujourd'hui, en chanson, en parole, en tant que parent et amener vos enfants, va peut-être stimuler... Sûrement être déterminant pour les générations à venir. Quelque chose qui va changer. Absolument. Et il n'y a jamais de petits dons. Benjamin, j'ai envie que ce soit toi qui ait le dernier mot de cet entretien. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Je voudrais dire que je voudrais montrer la danse qui m'a appris, Jean-Marc Généreux. On va faire du flossing. On l'a fait tous les deux. Non, non, mais on va là-bas. Et on va là-bas. Et, attention, attention. Allez, attention. Attention. Bravo, chef. Bon. Je te suis. Allez, on se tourne, on regarde par là. Allez. T'es prêt? Vas-y, c'est toi, Benjamin. Ça va donner un grand... C'est toi qui commence. Yes! Hey! Benjamin, mesdames et messieurs! Benjamin donne un cours de danse à Jean-Marc Généreux. Benjamin! 36-37!